Sergent toxique aux commandes, je vous fumez. À tel point que vous allez être choqués. Faites pas les étonner, c'est que l'intro. Alors respirez un bon coup, mes toxicos. Moi, j'ai pas d'ennemis, tellement que j'en ai pas. Tu les tais, tu les veux, je la regarde. C'est mon côté, I just die. C'est le match, j'ai toxico, allez, donne. Donne-moi tes matchs, vieux. Oh, vieux, tu en veux. Oui, je veux t'en donner. Ah, tu veux m'avoir, t'as la rage. J'excelle, contre tu chiales. Change ta couche, moi je l'eau fraîche. Et viens, vas-y, catch, catch. Vous voulez voir encore. Ladies and gentlemen, je veux vous mettre d'accord. Si un punk fait mumus, oui, punk fait la malaise. Comme Paris, je suis magique. Comme Vicky, je suis tragique. T'as compris, je pars en live. Tout comme dit, je viens fou. En argot, ça donne ouf. Mais ça, tout le monde s'en fout. Mytho sur mytho. À ce qu'il j'entends des échos. C'est mon côté range, Anton, je te ma RK. Franchon contre John, I was a media. Oh baby, ok, allons-y, c'est le magie toxico. Sergent Toxic va tout péter. Comme s'il conduisait une caisse bourrée. Si t'oublies la red carpet, ça va bander. Oui, c'est bien lui, Sergent Toxic. Et on va à la guerre avec Baptiste. Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dingue. Pardon, oula. Sur WWE2K19 pour un nouveau match des toxicos qui nous va tout droit de chez le toxico The Shield de Reigns. Aussi également un grand toxico. Que des grands toxicos en ce moment, hein, des toxicos fidèles qui sont là régulièrement et je les remercie tous une fois de plus pour être aussi présents et aussi actifs sur la chaîne. Et comme j'aime bien le dire, c'est aussi vous qui faites partie de la chaîne. C'est aussi grâce à vous que la chaîne évolue et existe. Et voilà, vous la faites vivre tout simplement. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Une fois plus, je me répète, mais ça me touche tellement que voilà, j'ai même plus les mots au fil du temps. Puis c'est pas la première fois que je le dis aussi. Donc voilà, encore une fois, gros big up. Donc The Shield, Reign qui propose ce match. Et c'est un grand fan de The Shield. Donc automatiquement, plus je l'ai vu dans le nom, je me suis dit, si je prends pas le Shield, il va me faire la tête. Donc je vais prendre The Shield. Je sais qu'il est aussi très actif dans les commentaires de ce toxico. Donc c'est vraiment génial d'avoir des toxicos fidèles comme ça, toujours présents, régulièrement présents. Oh, je suis en train de le déglinguer, Batista là. Oulala, j'ai mis pas mal l'évolution à l'ancienne, hein, si vous regardez bien. Michinoku Driver, le tombé. Et monsieur l'arbitre, ouh, si je crée la surprise comme ça, on est refait. C'est un tag team normal. Au début, il m'avait demandé un match élimination, mais je sais plus trop. Enfin, c'est quoi la situation? J'avais Tornado. Il me semble que Tornado, c'est les 6 personnes sur le ring direct. Attention, le changement avec Roman Reigns. Et on le balance de l'autre côté. Pour l'instant, on peut dire que Batista se fait plutôt allumer, hein, sans mauvais jeu de mots, attention. Et le coup de coude directement sur la nuque. Ouh, Renji pour l'instant est Triple H, n'ont rien pu faire encore. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est que le début du match. Et on sait très bien que l'évolution et The Shield réunis ensemble dans le même ring, surtout à l'arène SmackDown, c'est l'arène 2000, hein, c'est vraiment à l'ancienne. J'ai vraiment voulu représenter le old school pour cet épisode, enfin, pour ce match toxico, mesdames et messieurs. En tous les cas, le troisième match toxico, j'espère qu'il va être pas mal. Pour l'instant, on commence plutôt bien, bien enchaîné sur Batista. Une fois plus, nouvelle projection dans le coin opposé. Et encore une fois, nouveau changement. Seth Rollins, Roman Reigns, ça tourne bien. Double projection dans les cordes. Ça revient. Et le double. Ouh, il était où? Il était où le bonhomme? Eh bien, on ne sait pas, mais toxique, on ne sait pas. Projection dans le coin. Une fois de plus, le changement encore. Avec Triple H. Avec. Oula, qu'est-ce que je dis moi? Avec Roman Reigns. Oh! Ouh! C'est chaud. Oh le Bigfoot. Calme-toi. Boum, je t'ai dit, il passe, il va passer alors. On est en train d'allumer Batista, certes. Oh, Mskin. Attention, une fois plus, le coup de la corde à linge. Je suis bien en légendaire, les gars. Attendez. Je suis en train de me demander là. Oui, bah oui, je suis en légendaire, on est d'accord. C'est. D'accord, si la vie. Faut se dire ça comme ça. Coup de pied dans l'abdomen. On va le choper. C'est parti sur les épaules. On va y aller simplement. Avec une petite powerbomb. Non, et pour la bombe, voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc ça m'arrange bien. Allez, on va te chercher directement après. Le Beautiful Saman. Wop. On est en train de le traumatiser, le mec, là. Non. Calme-toi, Superman Punch. Et le tomber juste après le Superman Punch. Et un, et deux. Ouh. Vous avez failli assister au match le plus rapide de tous les temps. Attention, projection dans le coin. Il revient, il coule la corde à linge. Oulolololo. Mais c'est un peu un match là. C'est une catastrophe, mesdames et messieurs. Et encore une fois, il y retourne. Et il part derrière et bang. Non, calme-toi. Non, pas ça. Hop. Ce qu'on va faire, on va mettre un peu KO au sol. Faut prendre de l'élan. On revient. Boom, jumping clothesline. Allez, on va faire le oh my god. C'est où le oh my god?
Voilà, mesdames et messieurs, Jean-Baptiste, il va y aller. Va-t-il être le match le plus rapide de tous les temps? Tu ôtes la troisième corde. Non, non, pas ça, ça va le punir, là. La punition, la biggest, grosse, merveilleuse, travail d'équipe à trois. Dino Brésil, encore rien foutu, et passé son moment. Le triple power bomb. Oh, maman. Oh, mamma mia. Oh, non, 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 non. Non, Wendy, il m'a niqué mon plan. Wendy Orton m'a déglingué mon plan. Du tomber. Non, voilà, hop, hop. Et boum, les patates, voilà. Les patates. Oh, oh la violence. Oh, 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 oh la violence. Allez, c'est Rollins. On va un peu faire le changement. On va encore faire le changement. Batista, il a pas mis un seul coup. C'est un truc de fou. Mais je suis en train de me rendre compte et boom, spinal kick. Il faut qu'il fasse le changement, Batista. C'est pas possible, mesdames et messieurs. Il est en train de se faire déglinguer par un Seth Rollins. C'est la première fois que dans un match, je me fais même pas toucher. La première fois, boom, NZK, oui. Ils sont en train de le déglinguer. Le mec, c'est même plus où il est, les amis. Le mec a complètement disparu des écrans. Et tu reviens, et Neckbreaker. Oh là 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 là. Et boum, prends-toi ça. Mais quel match, mais quel match. Mais c'est trop, là. Mais c'est pas possible. Un match comme ça, mais Toxico, c'est pas possible. Non! Ah, mais c'est un ouf, Wendy! Randy m'a déglingué mon bail! Wesh, Randy, pourquoi tu m'as fait ça? Randy, la vie, t'es un ouf! Batista, Batista, voilà. Allez, on va rester quand même concentré sur l'essentiel, mais Toxico. Je pense que c'est la base. Attention, et c'est contré! Oh, le réveil de l'animal! Oh, le réveil, eh ben non! Eh ben non! Pas pour autant! Pas pour autant! Le schoolboy super kick! C'est terminé! C'est terminé! Et encore une fois, mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est une blague, mais c'est une blague, mais c'est une grosse blague là, mais c'est et la triple power bomb. Oh la blague, oh la blague, triple H, triple H. Attends, vas-y, reviens, triple H, reviens, reviens, reviens. Boum! Oh la blague, Batista. Batista, Batista le tombé. Batista. Et un. Et deux. Quoi? Quoi? Non, il a survécu. Je suis choqué. Je suis choqué. Projection dans les cordes. Ça revient. Pour moi, c'était fini. Pour moi, c'était fini. C'était pas. Mais c'est pas possible. Mais il a survécu, les gars. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Wesh, 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 wesh. Batista, Batista, Batista. Olé. Mais il a survécu. Je suis choqué. Non. C'est ma cible, les gars. Vous ne rentrerez pas ce soir. Eh, je me suis fixé un objectif. Finir sur Batista ce que j'ai commencé. Et voilà, et voilà, et voilà. Tiens, voilà. Oh là là, mais il est en train de s'amuser. Il est en train de faire mumuse avec Batista. Mais c'est pas possible, les mecs. Mais un peu de respect, quoi, à un moment donné. Je sais pas, ça s'impose, là. Franchement, ça s'impose. Attention, il y va. Regardez-moi ça, la fake shaman suplex. Oh, c'est maintenu. Oh, c'est maintenu. Et un. Ouh, forcément, faut le sauver. Hein. Faut aller le sauver, là, notre ami Batista, les gars. Et attention, moment of silence. Et ça enchaîne. Step up and the guy, oui. Quel match. Calme-toi. Calme-toi, Randy. Il ne rentrera pas, Wendy. Pas de sitôt, Wendy. Regarde comment je le maintiens, la suplex. On est en train de foutre le seum à Wendy Orton. Comment on fait, mesdames et messieurs? C'est très simple. Rendre fou Wendy Orton. Oh là 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 là. Troisième corde. Troisième corde. Oh non, mais laisse-moi tranquille, toi aussi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, descend de coude. Le tomber encore et encore et encore et encore. Et un, et deux, et trois. On était à ça, mes Toxico. On était une fois de plus à ça d'y arriver. Mais là, c'est terminé. Là, il en peut plus, mais Toxico. Excuse-moi, c'est parti. Et non, le sauvetage. Le sauvetage. Va faire le changement, mon pote. Mais non, fais pas ça, mon pote. Mais fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Et le Sprite Buster de l'animal. Ouh, le réveil. Ouh, le réveil. Et un. Et deux. Non, 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 non. Oh, ouais, j'étais choqué. J'étais pas prêt. La vie, j'étais pas prêt. J'étais complètement pas prêt. Par contre, vu ton niveau, là, c'est pas la bonne idée, ça. Bah, forcément. Le Jawbreaker, bah oui. Forcément, en tous les cas. Il aura enfin réussi à porter un coup. Et ça, ça se fait. Je suis désolé, je vous le dis clairement. Non, mais non, oui, 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 oui. Le schoolboy super kick. Ah, il a été plus rapide, plus vif, plus tout ce que tu veux, là. Plus rapide, plus vif, plus tout ce que tu veux.
Ah oui, il va y aller. Mesdames et messieurs, il y va. Le ripcording. Ni strike. C'est terminé. Regardez-moi ça. C'est fini. C'est la fin pour Dave Batista. Boom. Wendy Orton. Non, Wendy revient. Non, mais j'y étais là. Voilà Wendy Triple H. Voilà Batista. Oui, allez, c'est terminé. Pas de rope break. 1 et de 2. Non, mais là, il y a un problème là. Là, il y a une maladie là. Là, c'est pas possible. Non, mais là, ça devient plus vivable en fait. Le changement, mais quoi? Mais il existe encore ce mec? Il tape encore? Non, mais je suis où là? Je suis en train de vivre un cauchemar là. Il est encore en train de donner des coups et des prises. Non, mais sérieusement. Le mec, il est encore dans le match. Après tout ce que j'ai fait. Non, mais c'est pas possible. Non, mais là, c'est trop. Non. Wendy, coup de la corde à linge. Le deuxième coup de la corde à linge. Et attention, le troisième coup. Oh, ils ont réveillé de Wendy Orton. Oh, le réveil de Wendy Orton. Ils ont trop voulu l'enchaîner, Batista, forcément. Il y a un moment donné où ça ne passe plus. Et rebelote, tout le travail est à recommencer. Super. On avait bien... Oh, Batista, il est KO. Batista, il sait plus où il est, les gars. La destruction complète de l'animal. Ça, pour une fois, ça change. Hein. Wesh, le RKO. Il y va. Il va tenter. Mesdames et messieurs, le RKO. Oh, c'est magnifique. Oh, il l'a calmé. Oh, il a calmé Seth Rollins. Oh, il vient de calmer Seth Rollins. Ouh, merci, mon poteau. Ma frestegueza. Bon, en même temps, il fallait bien ça. Hein. Il fallait bien un peu que l'évolution revienne. Parce qu'avec tout ce qu'ils sont pris depuis le début de ce match-là, forcément, c'était compliqué. Forcément, ce n'était pas simple. Et le changement avec... Et oui, il rentre enfin le Lunatic Fringe qui va attaquer avec un coup de pied sur le dos. Dean Ambrose. Et là, on a de la terre fraîche. Face à de la terre fraîche. Deux hommes frais. Deux hommes du terre-terre, et ça revient, et le neckbreaker, parce que lui aussi il a donné les gars. Alors là je parle pas trop fort parce qu'on est le soir, donc forcément The Shield Reigns et tous mes toxicos, je vous le confie, je vous en fais part, je dois éviter de trop parler fort forcément, hein, tu comprends le bail, tu comprends l'idée j'imagine, enfin du moins j'espère. Attention, on enchaîne une fois plus la petite suplex. Allez, là c'est son moment, donc faut qu'il y ait le petit, bah en même temps il a pas trop de choix. Batista il a un finish, un coup spécial, non mais franchement c'est la blague du siècle. Vous avez la blague du moment, mais toxico. Est-ce que vous êtes au courant de ça? De cet honneur que vous avez? Alors, je dirais pas forcément que c'est peut-être pas forcément un honneur. Et le changement avec le King of Kings. Le roi des rois! Le double Magwalinoape! Et le coup de pied! Et viens me faire bobo. C'est ça, j'ai que ça à faire de me prendre des coups. Et puis, bien évidemment, des prises. Hein, bien, il est évident que quand je parle de coups, je pense aussi aux prises. Hein, moi, tout simplement, à pas se le cacher, tu reviens et... Bing! Troisième corde, on y va, la descente de coude! Non, il a contré! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi tant de haine, tant de violence? Pourquoi? Calme-toi! Attention, on enchaîne, regardez-moi ça! Il va y aller avec son spécial et s'envoyer la feuille, j'emmène sous place qui est maintenu! De 1, de 2, ouh! Allez! Non. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait mes toxicos? Mais qu'est-ce qu'il fait la descente du coude? Non, reste tranquille. Hop, qu'est-ce que je vais lui faire? Je réfléchis. Viens là, à la limite. Bam, voilà. Wesh, j'étais pas prêt. Ah, il m'a mis par terre. Oh, calme. Ça, c'est la technique, ça. Ça, tu vois. Ça, on voit que c'est le talent. On voit que c'est l'habitude. On voit que c'est The King of Kings, le roi des rois, Triple H. Attention, il me ramène maintenant au centre du ring, mesdames et messieurs. Triple H qui a maîtrisé un peu plus le United French. Dinner, boss. Batista. Oh, le pauvre. J'ai encore du mal à imaginer que c'est moi qui ai fait ce drame, le Spinebuster de King of Kings. Ça, c'est validé, tu vois. Ça, c'est... Bah, d'accord, donc il me... Ah ouais, il me respecte vraiment pas, quoi. On parle de ce qu'il vient de faire à mes jambes ou c'est comment? Ou saut comment? Ça, saut comment, j'ai envie de vous dire. Ça, saut comment? Calme-toi.
Et attention, c'est contraignant. Mon finish. Attention, on enchaîne encore une fois. Une fois plus, mais c'est contraint, mais genre. Oh là là, il va y retourner. Il va retenter son nouveau pedigree. Et une fois de plus, ça passe pas. Et une fois de plus, est-ce que ça va passer? Mais non, ça passe pas ce que je vais faire. Et attention, et le Godbuster. Le tombé, Rabueco. Je pète un câble dans ce match. J'aime bien ce genre de match parce qu'il y a vraiment de l'ambiance. Que tu gagnes ou que tu perdes, tu te dis c'est un grand match. Et que tu gagnes ou que tu perds, tu te dis ça en vaut la peine. Tu vois ce que je veux dire? Ça en vaut la peine d'être vécu, mon gars. Bah oui, mon Tongzingo. Guiguia. Et voilà, forcément, je dégarpille. En même temps, j'ai que ça à faire, j'ai envie de te dire. Là, à ce niveau où j'en suis, là, où comment je me fais déglinguer de partout, j'ai vraiment que ça à faire. Coup de pied dans l'abdomen, coup de genou. Batista, on va s'occuper de toi, mon petit vieux. C'est juste pour te rappeler les souvenirs de qui, normalement, est censé perdre, en fait. Voilà. Parce que je te rappelle que tu t'es fait déglinguer je sais pas combien de fois. Et que le je sais pas combien de fois s'est transformé. Attention, regardez, il fait tout le boulot. Besoin de toi, envie de rien. Casse-toi de mon... Depuis quand il fait ce genre de bail, lui? Oh non! Non! DDT! Le tombé! Non! Tu as cru quand même, c'est bien. C'est bien d'avoir de l'ambition, mon pote. C'est bien, c'est très bien. Je suis fier de ton réussissement. Attention, de nulle part. Non, mais il a encore contré, mais il a encore contré ce que je veux faire. Il va faire son Spinebuster, j'imagine. Eh bah oui, le Spinebuster! Ah, mais c'est trop. Mais à un moment donné, calme-toi dans les comptes, quoi. Je sais pas, contrôle ton cerveau, tu vois, c'est quoi? Ah ouais, le mec, il se contrôle même pas. Là, je crois qu'il en a marre de moi. On va pas se le cacher, hein. Oh là là. Eh, le prochain match de Toxico, il vient de Schminstom. Il m'a fait Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler contre The Shield. Vous avez quoi avec The Shield en ce moment? C'est votre période, Shield. Et attention, cette fois-ci, ça passe. Voilà, tu vas te le manger. Bouffe-toi, ma petite suplex. Voilà, c'est maintenu. Et un, et deux, et non. Allez, et le pire, c'est que c'est Batista qui vient. Voilà, Falch, c'est bien ça. Allez, dans les dits, dans tes dits, dans les dits. Et oui, le dans les dits, c'est terminé. Non, mais il me saoule à chaque fois. L'arbitre, il a rien demandé. Ce match, il va partir en live comme à chaque fois derrière mes Toxico. On va pas se le cacher. Il est fou, ce match. Il est vraiment fou. Attention, tu viens là. Allez, prends-toi ça. Mais non, on avait... Quand je pense qu'on avait notre cible de base, quand je pense qu'on maîtrisait Batista et que d'un coup, d'un seul, les choses se sont... Aïe, non. Et là, ça va être un autre jeu. Là, mes Toxico, une autre galère s'approche de plus en plus vers nous. Eh bien, tout simplement, l'arrivée de Wendy Orton, qui est complètement énervé dans ce match. Hein, complètement remonté, mes Toxico. Va falloir faire attention à la vipère, parce que là, ça peut venir de n'importe où, n'importe quand, et de tout part, de tout terrain, comme on dit. Hein. Allez, projection dans le coin. Le changement avec... Et à mon tour, regarde, tu me l'as fait, je te le fais. Viens vers quoi? Dis-moi, ni vers quoi? Tu peux rien faire, Bigfoot! Ouais, je vais peut-être faire le changement. Non, je veux pas forcément. Attends, je vais réfléchir à ce que je veux faire. Allez, attention, on va le choper en lift up! Powerbomb, c'est maîtrisé. C'est fini. Ah! Mais Batista, il est toujours là. Le mec, il se prend 1 milliard de coups, s'il vous plaît. Il est toujours là, c'est un truc de fou. Je le fais rentrer parce que c'est stratégique une fois de plus. Hein. On va pas se le cacher. Relève-toi, c'est parti. On y va. Le schoolboy, super kick. Oh non, il va le refaire. Cette fois-ci, non. Encore. La triple powerbomb portée par Seth Rollins. On inverse les rôles dans ce match. C'est plus Roman Reigns, c'est Seth Rollins. J'ai changé d'avis. Là, c'est un réel changement d'avis, hein, je vous le dis. Hein. On va pas se le cacher. Le gros changement d'avis du futur. Allez, on va virer qui en premier? Non. Mais genre deux. Même pas ça l'a terminé, ce que je viens de faire. Ça servait à rien. Ouais, je suis emporté comme un gamin. Voilà, une fois plus, c'est qui se fait pas respecter? C'est Sergent Toxique. Ne me demandez pas pourquoi. Du comment, je ne sais pas. Le cross-armbar, c'est maîtrisé. Oh là là, attention, non, patience, s'il te plaît. Non, commence pas. Voilà comment venir à la manière de Sergent Toxic, revenir à la manière de Sergent Toxic.
Psyche, boom, et boom, je kiffe mettre des coups, tu sais, les enchaînements comme ça, c'est une base de ouf, tac, oh, bing, c'est contré, calme-toi, calme-toi vraiment par contre, et boom, drop kick, allez, on va se faire un kiff que j'aurais bien aimé me faire depuis longtemps, voilà, ok, ce qu'on va faire à la limite, pour que ce soit plus réaliste, Batista, sur Wendy Orton et le Springboard. D'accord. On va faire peut-être autrement là. Parce que pour vraiment que ça passe, faut lui faire comprendre que j'ai vraiment envie de le mettre. Donc là, ça passera déjà mieux, je pense. Allez, on y va. Le Springboard. Topé Atomico. Oula, que je fasse attention parce qu'elle s'en finish. Heureusement, il me l'a pas. Waouh, j'ai pris des risques de ouf là en réalité. Vous connaissez vous-même, vous savez quand on fait le finisher à la volée là sur une prise de quelqu'un, comment ça peut revenir vite. Attention, Firesman Carry, Wendy Orton. Ouh, la vipère, il peut y aller la vipère là. Là je pense qu'il va y aller, même pas, il teste même pas son RKO ce fou. Il a son RKO, il le fait même pas. Moi je serais toi, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais vieux, depuis, tu sais même pas à quel point. Retourne-toi, 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 le schoolboy, super kick. C'est terminé. C'est terminé. Allez, allez, le ripcording. Allez, on va le relever. Une fois plus. Mais non, mais pas encore, mais pas encore. Mais il pète les câbles. Il pète les câbles avec ça, mais pas encore. Ça sert à rien. Mais pourtant, une fois plus, pour la millième fois dans ce match, la triple powerbomb. 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 Boum, mais non, mais non, mais non, mais non. J'en ai marre de tout ça. Le petit paquet peut-être. Bah non, même pas, j'ai fait le coup d'arpin. C'est pas grave, boum, on s'amuse. Voilà, maintenant on va tenter le petit paquet quand même, ce serait pas mal. S'il le fait, oui il le fait, ou pas, c'est contré, attention. Oh la soumission. Oh comment je l'ai kiffé, elle était belle. Oh ah ça c'est de la technique ça. Ça c'est beau, mais moi j'aurais pas RKO. Out of nowhere. Le RKO out of nowhere. Et là, c'est le cas. La vie, c'est le cas. Regardez-moi ça. Eh, j'étais pas prêt. J'étais tellement pas prêt. Le tombé un et deux. Eh, j'étais obligé de la révolte, là. Là, j'étais obligé. C'était fini. C'était fou, là. Il faisait sa révolte. C'était fini, le match. Ah ouais, fini de chez fini, la vie. Fini de chez fini. Il n'y a plus de match. Il n'y a plus rien. C'était la S. Attention, qu'est-ce qu'il fait une fois plus. Il va m'envoyer en fallaway slam. Il était beau, celui-là. Il était beau. J'ai pas d'autre mot à dire tellement qu'il était beau. Retourne dans le ring s'il te plaît, tu reviens, ça tombe bien. Et voilà le petit tombé, allez, 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 s'il te plaît. Un, deux. Même la Norton Night Suplex, ça veut pas passer. On est dans du cinéma là, mes toxiques, on est dans du réel cinéma. Allez, une fois plus le changement. Encore une fois. Avec le Lunatic French, Dean Ambrose. Ambrose, la force du fruit. Hashtag fusion pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens parmi vous. Je pense qu'il y a moyen que vous captez d'où vient cette... Oh non, non, pas le... Oh non, 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 non. Pas le single leg. Boston quoi, magnifiquement bien porté. Au centre de swing. Allez, allez, vers les cordes, vers les cordes, vers les cordes, vers les cordes. Ouf. En même temps, j'avais aussi ma révolte, hein, mes toxicos. Donc j'aurais pu l'utiliser, mais je l'ai pas fait. J'ai préféré rester simple et basique. Ouais, il me l'a fait. Non, sérieux? Non, il me l'a fait. Le spike, DDT. Oh là là, Wendy, faut qu'il se calme, il est chaud. Oh, Wendy, calmos, mon pote. Calmos, amigos, calmos. Ah ouais, il est vif, là. Il est très vif le type, il est très vif, il en veut, c'est bien d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est pas bien. Parce que Sergent Toxique, il est en train de souffrir un peu là. On est d'accord, mes toxicos, je suis en train de souffrir dans le bendo. Dans le bendo. Attention. Non. Je l'avais contré, je l'avais pas contré celui-là. En fait, le RKO normal, je l'ai contré, mais celui-là est tellement ça à l'ancienne. Je sais même plus le contrer, je crois. C'est vraiment un bail de l'époque. Il enchaîne tout le monde en attendant. Je dis ça, je dis rien, mais il se fait un gros plaisir, non. C'est quand même Roman Reigns que t'as face à toi, mon petit. C'est pas n'importe qui. D'accord, donc il respecte même plus Roman Reigns également. Il va peut-être même remettre un coup, une prise à Roman Reigns. Ah, même pas, il le laisse tranquille. Ça, Roman Reigns, ça me dérangeait pas d'un côté si tu le frappais. Hein. Moi, ça me permet de reprendre mes esprits. Et qui dit reprendre ses esprits, dit être plus à l'aise aussi. Oh non, pas ça. Oh non, pas de changement. Oh non, mais regarde Batista, là. Hey, je te rappelle, regarde ton visage, t'es même pas censé catcher normalement. T'es censé aller à l'hôpital, toi. On est d'accord, mes toxicos, s'il vous plaît. Normalement, quand t'as un visage comme ça, t'es même plus dans le match. C'est un truc de fou. On prend l'élan, on revient. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oui, 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 oui. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Mais qu'est-ce qu'il me fait, l'oiseau? Mais qu'est-ce qu'il me fait?
Attention, ça revient. Voilà, flat over, neck, breaker. Non, c'est arm trap, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On s'est trompé, mais c'est pas grave. Vaut mieux se tromper que pas se tromper. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, les toxicos, c'est pas grave. Là, j'en suis au point de ma vie, là. J'en peux plus. J'ai envie que le match se termine parce qu'il devient de plus en plus long et que d'un moment donné, je vais flipper et que j'ai peur de perdre. Donc là, moi, j'ai pas envie de perdre. Donc tu vas te calmer, s'il te plaît. On y va. Projection dans les cornes. Une fois plus, je mets pas trop d'ambiance. Je parle pas trop fort non plus. J'ai des voisins. Malheureusement, je peux pas faire tout ce que je veux non plus. Donc voilà. Je pense que c'est compréhensif et je me sais à leur place. Hein. Donc voilà. Attention, on y va. C'est parti. Cette fois-ci, tu te la prends. La soplex. Allez. Un, allez, deux. Et non. Ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Mais non, mais il me l'a contré. C'est quoi ces gens qui veulent me rendre fou? Attention là, snap, soplex. Et ils veulent tous me rendre fou. Allez, le changement. Avec le big dog, Woman Wayne's. Boom. Mais non, mais il a contré ça. Mais non, mais il me fait pas ça. Mais calme-toi. Ok, d'accord. Oh là là. Si même moi je me fais même plus respecter, on va pas s'en sortir, les gars. Ah, pas s'en sortir. Allez, viens là, voilà, tu fais quoi? Boom, jumping clothesline. Ça, c'est fait. C'est comme ça que j'aurais dû arriver dans le match en réalité. Hein. Pas comme ma façon à moi. Hein. Boom, big foot. Et là, on va y aller. Non, calme-toi. Oh, ça peut être mon moment, ça. C'est pas mal. Punch, le tombé. Ah, le tombé 2, le tombé 3. Le Superman Punch de nulle part qui aura mis fin à ce match. C'est ouf, hein, parce que Roman Reigns casse le rond dans le ring, hop, c'est décisif, c'est fini. Il a fini avec un magnifique Superman Punch. En tous les cas, on voit quand c'est Roman Reigns qui porte le triple power bomb parce qu'il le fait vraiment de la deuxième corde. Alors que les autres, c'est au milieu. Donc on voit le réalisme quand même. Heureusement qu'il y a ce côté-là un peu plus réaliste du fait qu'il soit plus puissant. Donc il peut se permettre de monter sur la deuxième corde par rapport à ses autres coéquipiers. Mais déjà, moi, pour moi, c'était fini à Batista le match. Hein. Mais en tous les cas, quel match. Quel match de fou entre The Evolution et The Shield. Et le Superman Punch out of nowhere qui aura mis KO encore plus KO Randy Orton et qui aura permis au Shield de gagner tout simplement. Bref, mes toxicos, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ce match vous a pas fait kiffer. Oh, proposez vos matchs dans les commentaires de cette vidéo parce que je sais très bien que vous allez le faire. Et on est ensemble. Quel match. Peace, mes toxicos.